d'une grande maladie. Et maman et papa allaient aller saluer à l'épicerie de l'eau. Le volonté de la tâche m'a eu de l'eau. Papa va aller saluer et il m'a dit dans ton ventre, il y a un enfant qui est en train d'être détruit. Prends cette peau et moi, oui. Et tu seras guéri. Lorsqu'il posait ces questions à Dieu, il n'a rien dit, Dieu ne lui a rien dit. Et un jour, il dormait, il a dit, papa, où allait ça venir? Alors, il a dit, 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 papa va aller Il avait beaucoup de signes ici. Nous avons prié. On a découvert. Et lorsque cet homme prédit, avec leur oncle paternel, ils ont grandi ensemble à la maison. Et d'autres personnes sorcières, on a mis des cailloux dans la jambe de la fille. On a travaillé, on les a enterrés au village à l'est. On a travaillé de façon que lorsqu'un homme grandit, que la maladie s'est manifeste. On a enterré dans les rivières à l'est. La prière qu'on a faite, la fille a fait des années paralysées. Directement, elle a fait vie, ça m'endorme. Elle a commencé à marcher. Tu veux appeler fortement de Seigneur. Et on a dévoilé tout ce qu'on avait fait sur elle dans la porte. On peut balancer les images à la maison des premiers jours qu'elles se sont rencontrées. Dengue de comment la côte à Kaputi devrait avoir signé avec au calme. Pour ma soeur a rencontré sa soeur et elle s'est étonnée. Ma côte a mis sous image. On peut balancer ces images là-bas. Dengue à côte à Kinatapu. Comment elle est entrée dans la maison. Wana Ige. La voici. Yewana. Elle est là. Là, c'est sa soeur qui est venue de la Belgique. C'est elle qui pleure. Vous pouvez balancer les images lorsqu'on l'a amené à l'église. On va l'amener à l'église. Lorsqu'on l'a amené à l'église. Ah, on continue à avoir beaucoup de l'éduquer. Et ça a un témoignage avant d'après. Vous voyez que pour toi, il y a un obéga. Il y a un obéga qui s'appelle ça. Donc, tu as l'image de voyager qui. Ici, nous filmons les gens parce que nous savons qu'il y aura des témoignages après cela. La personne qui est venue malade, elle sera délivrée et guérie. Et on laisse ça venir balancer pour moi ces images-là. Là, le bras ne fonctionnait pas, il était devenu inerte. Pour monter à bord du véhicule, on doit soulever la jambe. Monter les escaliers, c'est un problème difficile. Et lorsqu'on a fait la prière, on sort à la maison. On va balancer maintenant les images à la maison. Et lorsqu'on a
Sur place, elle a marché, mais à la maison, elle courait même déjà. On tient l'image là-bas. On peut balancer les images quand elles sont déjà à la maison. On peut dire ça. On peut mettre ma bonne comme un casse, la casse. Il fait fortement acclamer, fortement acclamer. Salut ton voisin. Il est là dans ta tête. Et nous sommes vainqueurs. Salut même toi, que soit tu l'air dit que nous sommes vainqueurs. Il Satan ne nous vaincra jamais. Monsieur conseiller, à la place des cigares chez ça. Pour que l'homme de la de la place à bon match. Place Jésus à ça. Place Jésus à ça. En l'eau, caillou, la bâtonnie. Dans mon lumière conseil, afin qu'il aille une place là où Jésus se retrouve. Parce que votre victoire est en Jésus. Et là où Jésus est absent, si toi tu es là, le sorcier va te vaincre. L'homme, on a un papa à sauver, mais papa, il y a un. Avant-hier, je dis c'est papa qui m'a appelé. Papa m'a appelé plus de 5 fois. Il m'a appelé plus de 5 fois. Quand on va dans la zone d'Ima, lorsque j'ai décroché, il m'a parlé de quelque chose. Maintenant, le micro. Quel que vous le voyez arrêter ici pour lui donner le micro. Le micro est à toi, papa. Le micro est à papa. Mais là, quand il m'a dit 5 fois, le micro est à papa. Qu'est-ce que vous avez dit avant-hier pour vous parler? Alléluia. Amen. Tiens, micro bien. Oui, là, qui papa. J'ai un enfant de ma grande sœur qui est pasteur à la SECA. Il est aussi commerçant. Il était parti en Turquie, il a tiré à peu près une dans la marchandise. Il a acheté la marchandise et il l'a envoyé ici, tu vois, il a fait. Balamoko, alors qu'il a quitté le monde, la nature a pu à son moment, le monde a dit. Directement, il avait un beau ventre, comme qu'il dirait qu'il était empoisonné et sa santé n'était plus normale. Oui, il a dit qu'il n'a pas eu de l'hôpital, on va trouver l'hôpital, mais à cause de l'hôpital, on va trouver l'hôpital. Vous savez, il y a des grands hôpitaux en Turquie avec l'imagerie élevée où on peut détecter n'importe quelle maladie. Il est allé à l'hôpital qu'on a détecté aucune maladie. Donc on a ça passé à l'autre ensemble à saliner, sauf à saliner le cas, nous en malades. Quand il était pasteur, il a commencé à poser des questions à Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait en fait que Dieu lui révèle? Quand on a l'autre ensemble, les gens là, à l'autre réponse, à l'année, je vous mets mon mot, à mon papa, à l'aise, à l'autre. Lorsqu'il posait ces questions à Dieu, il n'a rien dit, Dieu ne lui a rien dit. Et un jour, il dormait, il a dit, papa, à l'aise, à venir. Alors lui m'a dit, il n'a pas dit qu'il 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 Quand mon papa allait s'accueillir à la boutique de Togo, il le voit là, sauter qui a évité. Lorsque papa allait s'accueillir, il s'est réveillé de madame, toute la douleur avait disparu. Mais dans l'entretemps, à condamné à madame Konda, à Kondi, le souci, à Zoni Awa, à Kondi Awa, à Kondi Awa, à Kondi Awa, à Kondi l'hôpital. Cependant, il avait beaucoup écrit, il avait beaucoup de soucis. Lorsqu'il est revenu ici, les gens l'ont dit comme quelqu'un qui révélait fraîchement de l'hospitalisation. Il est venu m'appeler, il a dit, je vais rencontrer papa Alessa, je vais dire pas problème. Alors j'ai appelé papa, et je lui ai parlé. Dans l'église, bon.
Il avait beaucoup d'hésitation comme il est là, c'est pas d'autres églises posent des problèmes. Je lui dis, tu dois aller témoigner ce que Dieu a opéré, parce que si tu ne témoignes pas, tu auras des problèmes avec Dieu. Et d'ailleurs, moi et pasteur, il y aura des retours, mais il y aura des retours, et cette maladie peut retourner encore dans ton corps. Laissez le micro. Pour lui donner le micro. Alors, maintenant, pour ma vie. Amen, l'église. Papa, tu avais gardé de quoi? Je bénis le Dieu de Papa Walesa. J'étais en Turquie une année durant. Mon oncle a déjà tout dit. J'ai eu une grande attaque d'une grande maladie. Mon papa est Papa Walé s'est venu, il m'a dit, dans ton ventre, il y a un homme qui est content d'être détruit. Concentre-toi et moi, et tu seras guéri. Jésus est venu jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus aucune douleur. Voilà pourquoi je ne pouvais pas rester calme. Sans que je ne recherche, afin de témoigner la grandeur de son Dieu, il est venu me chercher en Turquie. Il y a des gens qui partent et les viennent dans le cercueil, mais son Dieu n'a pas permis que je meure là-bas. C'est pourquoi on a eu la Torah de l'eau, pour que ma maman s'envoie, vous allez la presser à ma maman. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, restez attachés à ces dieux-là, vous êtes dans une bonne adresse. Et beaucoup aussi, la paix pour ça, mais la paix de la paix de Dieu. C'est pourquoi on a eu la prière dans la salle de la paix de la paix. La zone parle pour la église, comme le Christ, la salle de la paix de Dieu, c'est un peu la maladie. On va faire à côté de la maison, la zone, ça va voir le on va passer la foi et madame, par contre, on va toujours comme ça, il n'y a rien, on va prier. Voilà pourquoi je vous demande, lorsque vous priez, ayez aussi le temps de prier pour d'autres personnes, prier pour d'autres églises. Comme moi, lorsque je prie toujours pour l'église bord du Christ. Je prie pour d'autres hommes de Dieu, ceux qui sont déjà égarés. Je prie à Dieu de les retourner dans le droit chemin. Et ceux qui sont justes et corrects, qu'ils persévèrent et continuent dans cette marche. Papa, vous avez un peu là, à toi le coup, à ma tissage, à ma dimension, à combien. Papa, que le Dieu du ciel soit glorifié et qu'il vous amène encore dans des autres dimensions. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Nous acclamons fortement pour le pasteur. Papa, pour nous, pour nos frères. Que Dieu te bénisse pour nos enfants. Ça va béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous souvent avant, c'est quand vous nous regardez pour la pasteur. C'est quand ça va pas pour la joue. Vous ne savez pas, c'est pas vous parler comme papa, vous vous en laissez. Vous êtes bon, vous savez, vous avez dit, c'est là. Nous acclamons que Dieu nous soit béni. Je suis très content. Et puis, Awa, Dengue, la Yaki, Awa, ton côté de Bonalie, côté Kaouki, dans trois jours. D'abord, au milieu de Zakakat, c'est fini, il voulait saler, côté Kaouki, dans trois jours. Mais un peu mon nez, hein. Mon père, c'est donc le basso qui est donc fini, et puis côté Kaouki, dans trois jours. Et ça l'a pas dit. On vient de faire un appel d'un enfant qu'on avait amené ici la semaine passée. Sur qui on avait jeté des mauvais sorts. On l'a amené ici, l'enfant avait gonflé. Il y avait depuis, nous avons prié. Le trix a explosé. La plaie s'est cicatrisée dans trois jours. Un grand miracle. Depuis son sorti, un miracle jamais vu. On va balancer les images de cet enfant. Un son. Avec les sons. Et bienvenue ce moment que vous avez soulevé. Vous avez béni. Soyez béni.
béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au Père Saint-Élie. Et donc, on va tirer mon nom à Zoto et Zobima. On va tirer mon nom à Yo et Zobima. Le professeur qu'on a jeté sur ton enfant, ça va sortir. Mais la même chose, bien. Benda. Zoto l'image. Il y a la méchanceté de faire un enfant comme ça. M'avait commis trop. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a quand même. Approche. Pardonnez-le, il y a moi. T'as la moine. Il n'y a pas d'image pour l'enfant. Mais là. Ça. Combien de mois on passe pour l'année? Pourquoi jeter les mauvais sorts sur l'enfant? Hein? On a dit quoi? Les antigas. Les hommes ont dit quoi? Et donc, on va mourir, disparaître. Que ça disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va super. Que Dieu te console. Nous allons te permettre de lutter. Que tu sois. Au nom de Jésus. Qui veut mettre la salle à l'île pour les poquets de l'eau? Moi, je n'ai pas eu le problème. Je vais m'amener là-bas et là, les poquets. C'est alors qu'on a amené l'enfant le dimanche passé. Voilà, donc tu m'as l'âme, tu m'as l'amour, tu m'as sauvé dans la boutade, tu m'as tapé. Et donc on est passé tout le fil et demi pour te saluer le tout sous mon nez de Jésus pour partir à l'hôpital, à traiter moi dans deux jours. Moi, on a l'autre, tu m'as l'âme dans trois jours. Et donc il disparaît, et combien c'est l'eau que ça a été? Et donc il l'a envoyé et disparaît. On a ramené l'enfant le dimanche passé pour témoigner. On a ramené l'enfant, ça avait gonflé, il y avait des puits à l'intérieur. Lorsque cela avait sorti, on l'a amené à l'hôpital. Il est resté comme un trou. Mais on l'a traité après deux ou trois jours. La plaie s'est cicatrisée, c'est resté plat, on dirait qu'il n'y avait rien. Est-ce que vous avez la image après le sous pour la voiture de la piscine à la commune? Est-ce qu'on avait pris les images du dimanche passé afin de les balancer et tailler l'enfant? Ton Dieu nous a donné trois jolies filles. Et d'autres aux cinq d'ailleurs. Et dans notre dernier mandat. Si tu veux prier pour nous, afin que nous puissions avoir un garçon. J'ai dit, c'est pas bien. Je suis un peu plus de temps. Après que je sois en train de passer sur l'eau, dans le monde, dans la vie, ça. Je viens de dire, c'est pas mauvais, c'est Dieu qui le fait. Vous pouvez vous marier, avoir des garçons, avoir des filles, soit avoir simplement des filles, ou soit avoir simplement des garçons. Mais c'est pas un problème, je vais prier pour vous, et Dieu va vous donner un garçon. Quand vous êtes en train de les demander, j'ai imposé la mère à l'homme, j'ai imposé la femme, sa femme et Zoulou, ils sont rentrés, et maintenant ils ont eu un garçon, ils nous ont donné les noms. Ils peuvent avancer, montrer l'enfant parce qu'ils vont rentrer en Afrique du Sud aujourd'hui. Moi, d'ailleurs, voilà. L'enfant, il a un garçon. Comment est Claude Kamkouadessa? Son nom c'est Claude Kamkouadessa. Merci d'avoir pour la grâce. Nous en avons fortement. Bonjour, Père Salaman Nico, alors Madame Magizoulou,
On donne le micro à maman, elle va s'exprimer. Et c'est pas ça, là, on peut sa maman, micro. Elle va s'exprimer. On revient à tes genoux. On va même aller à tes genoux, maman, Oyo, Azali, Moutafrique, ici, des pères et des mères. La maman que vous voyez, elle est sud-africaine d'origine des pères et des mères, mais elle maîtrise bien les Lingala, elle s'exprime, on dirait une guinoise, mais son mari ne connaît pas les Zoulous. Il fait seulement éparpiller les yeux et pas les autres. Maman, vous voyez les Lingala bien. Elle est bien, moi. On le voit très bien. Et elle est là. Tu connais bien les Lingala. On t'a pas trop bon à Lingala. Et pas de les dire en Lingala, non. Le combien de l'eau vous voyez à Lingala, il y a bien, il y a bien. Tu peux t'exprimer en Lingala que je sois joli. Bonjour, Chris. La zone, moi, mon âme, j'ai normal et non. J'ai béni Dieu sur ma dame. Parmi nos abonnés, un garçon, nous étions venus ici en 2022 au mois d'octobre. Nous étions venus avec tous nos enfants. Et ça, les gens qui sont venus, nous avons un hôpital, nous avons un office. C'est vrai qu'au moment de notre retour, nous sommes venus dire au repas à notre papa, à l'office. Papa Vanessa nous a demandé qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Moi aussi, je ne voulais plus avoir des enfants. C'est papa qui lui a dit, nous voulons que vous puissiez nous donner un garçon. Parce que lorsque nous appartions, c'était que des filles. Et ça, nous avons engendré Wadé Sakimila, que nous avons donné le nom. Merci. Tu t'exprimes en Zulu et en même temps tu reprends les mêmes propos en anglais. Et c'est quoi ça, Nango? Et tu as voulu la poule? C'est plus ma casse. Et tu as voulu la poule?
Merci. Et c'est venu dans ça, mon papa, à Dieu, vous pouvez consulter pour le député de Grand-Souda. Quel est le droit que vous avez, papa, vous prenez le micro pour vous exprimer aussi. Merci, mon fils. Oh, sois béni. Serviteur de Dieu, Frédéric Kadima, Zaba Pangolo, sois béni. Mon offrande, vous offrez sa mère, fidélité, Zaba Zanayo, à mon petit côté. Oui, y'a un livre, mais c'est ma bonne offrande, mon salut, la salle de Frédéric Kadima. Quelle est la joie que vous avez? Nous avons pas ta fille déjà parce que celui-ci est le cinquième. Nous avons dit à papa, nous avons besoin d'un garçon. Et papa, au lieu de prier pour nous, il a simplement imposé la main. Il a dit, tel que tu l'as dit, que Dieu le fasse. Je suis parti avec des doutes en moi. Je me suis dit, au lieu de papa prier, lui impose simplement la main et dit que Dieu le fasse. Nous sommes partis, j'avais toujours des doutes. Après quelques temps, ma femme est tombée enceinte. Elle est allée à l'imagerie. On a vu les testicules et on a dit, c'était les garçons. J'ai douté, j'ai dit, bon, je ne crois pas. Après quelques temps, on lui a donné des rendez-vous pour un certain des 31. On a fait la césarienne et elle m'appelle, j'ai accouché, je demande quel enfant. Il a dit, un garçon. Je suis arrivé et j'étais tellement joyeux. Ah oui, pour l'excellent. Et ici, je vais lui montrer la femme. Pour l'excellent, moi, la papa. $80,000. C'est là maman, non, mais maman, moi, la maman, je vais porter l'enfant. Attendez, maman, je vais porter l'enfant. Ça ne va pas pour l'enfant, pour compter $50,000 dans cette belle macasse. Que Dieu vous bénisse, je suis très content de venir. Je vais vous laisser mon casse pour la vignette. J'ai une joie immense. Vous avez la capa pour la matérielle. Que mon Dieu vous bénisse et vous protège. Abattez-la, moi, Simario. Il protège ta femme. Abattez-la, Bentoï. Il protège aussi mon ombre. Ça va pas pour la vignette, vraiment. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Posez la sous-protection divine. Soyez sous la protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Maman. Maman. Au fait, si maman, je te remercie de Dieu Zoulou. Tu n'as pas dit merci à maman, je te remercie de Dieu Zoulou. Maman, j'ai le conciliateur. On va le sauver, il y a un papa Mercedes. L'autre, on sauve l'autre Mercedes, il a trompé, il a coûté. Il y a $120,000. Le petit Mabo, comme un gars, si on a des jeux.
profondément au nom de Jésus. Après prière, on va voir.
quoi? La réunion s'assoit ici. Nous allons vous saluer. Papa, nous sommes Kinshasa.